y a une chose que j'ai apprise et dont vous devriez tous vous souvenir pour arracher les contrats. Les trois étapes. La première, dites-leur ce que vous allez leur dire. La deuxième, dites-le leur. Et la troisième, dites-leur ce que vous avez dit. On conclura en leur rappelant que notre bébé délivre 3% de poussée spécifique de plus que ses homologues, du niveau de la mer à la ionosphère. Et s'ils n'en veulent pas, je vous le dis franchement, qu'ils s'achètent un Spoutnik. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une femme vraiment adorable et vraiment affamée qui m'attend à la maison. Sarah ? Jerry ? Tu sais, tout le monde au boulot n'arrêtait pas de me dire qu'on était passé à l'heure d'aider. Tu devais quand même être là depuis longtemps. Et moi, je leur disais que non. Et c'est tout le temps pareil. Et c'est toujours. Pardon ? Non, je suis très fâchée contre toi. Je compte faire la tête toute la soirée. Mais qu'est-ce que c'est? 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 Je peux savoir pourquoi t'as débranché ton fixe? Le téléphone est mort. J'en ai plus besoin. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Hein? Non, À moins que tu refumes. Non, t'inquiète pas. J'ai pris au moins 10 kilos, j'ai jamais été aussi en forme. Non, ça va. Écoute, je dois me sauver. Fais à Mélanie et aux enfants un gros câlin. On discutera une autre fois. Et fais attention à toi. Attends. Deux secondes. Écoute, je sais que ça fait un bail, mais quand tu étais ici, t'aurais pas pris quelque chose à moi sans faire exprès, à tout hasard? Je me souviens t'avoir donné quelque chose. Tu te souviens de ça? Moi, je m'en souviens en tout cas. Ouais. N'oublie jamais que je t'aime. Thomas, trésor public. Je viens voir Stewart Goodman. Inès, regardez-moi. Inès, je vous parle. Apparemment, vous avez encore refusé de prendre vos cachets aujourd'hui, c'est vrai? Non. Faites de vraies phrases si vous voulez dire des choses, d'accord? C'est vrai, votre grève des mots ne fait l'affaire de personne. Inès, comment peut-on s'occuper de vous si... Bon, ça vous dit que je revienne demain? Peut-être que d'ici là, vous aurez changé d'avis, d'accord? Elle est mignonne. Mais je n'étais pas censé aller à votre bureau aujourd'hui. Oui, mais j'étais dans le quartier et je me suis dit, si je passe, il économise de l'essence. Formidable. Écoutez, allons plutôt dans mon bureau, ok? Venez. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Pour vous dire, mon action a permis de réduire les dépenses de ce service d'au moins 17% rien qu'année dernière. Je parie que ça vous a rendu populaire. Oh, archi populaire. Mais il faut dire que si je pouvais en faire autant avec mes finances personnelles, vous ne seriez pas assis là aujourd'hui, sans vouloir vous offenser. C'est à vous la nouvelle BM devant? Ben, je dois vous avouer que lorsque j'ai appris que ma greffe de moelle osseuse s'était soldée par un échec... Je suis parfaitement conscient de vos problèmes de santé. Mon état n'inspire pas vraiment l'optimisme. Écoutez, je vais toucher une prime en janvier. J'ai vraiment besoin de ce délai de 6 mois. Non, franchement, je me bats pour régler cette histoire. Vous pouvez me croire.
Ça n'est pas la peine de me raccompagner. Je vous tiendrai au courant. Bon, merci de m'avoir écouté. Nous avons tous à y gagner. J'ai pas raison. Bonjour. Je m'appelle Ben. Je comprendrais très bien que vous n'ayez pas particulièrement envie de m'adresser la parole, mais je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de me consacrer un peu de temps. Il me donne un médicament qui me fait tourner la tête. J'en veux un autre. C'est un souhait qui me paraît plus que légitime. Autre chose ? Vous pouvez tout me dire. Dire autre chose, Inès ? J'ai failli vous croire, espèce d'enfoiré. Dire que j'ai failli commettre...